Teddy. Toujours un plaisir de se rencontrer. Toujours, Luc, bien sûr, toujours. Pour le bien de ceux qui nous regardent. Exactement. Bonjour à vous, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, vous entamez toujours cette enquête. Luc, je te laisse toute la place. Alors, je vais dire quelque chose peut-être de surprenant. Jésus est venu pour nous donner la vie. Mais si vous regardez cette vidéo, ben, c'est que vous êtes vivant. Donc, ça peut être surprenant de dire à quelqu'un qui est vivant, Jésus est venu pour te donner la vie. Il y a comme quelque chose un peu décalé. Mais Jésus n'est pas venu nous donner la vie physique. Ça, ce sont nos parents qui nous l'ont donné. C'est pour ça que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Puisque vous ne seriez pas là si votre père et votre mère ne vous avaient pas donné la vie. Tout à fait. Alors, vous qui regardez, vous êtes bien vivant. Mais Jésus est venu donner la vie éternelle. Donc c'est la vie qui n'a pas de fin. Donc ça, c'est une question philosophique importante au niveau du temps. Mais surtout, c'est une autre nature de vie. C'est pour ça qu'on peut dire la vie éternelle, on peut dire la vie d'en haut. La vie nouvelle que Jésus nous donne, c'est la vie d'en haut. La vie que Jésus lui-même a reçue de son propre Père, eh bien, il la manifeste pour nous mettre au bénéfice de cette vie. Mais comme on l'avait vu dans la précédente émission, il y a aussi des forces de mort. Et Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, c'est ce qu'on appelle Jésus le bon berger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est quoi les brebis, Luc ? Les brebis, c'est ceux qui croient en Jésus, puisque Jésus est le bon berger. C'est pour ça que lisez tout le chapitre 10 de l'évangile de Jean, ça commence par « Je suis le bon berger ». Mais il y a beaucoup de personnes qui se prétendent être bons bergers. Et en fait, ce sont des voleurs. On a peur des sectes. On a peur de se faire embrigader. Même certaines personnes qui ont la foi en Jésus-Christ ont peur de se joindre à une église. On ne peut pas être des gourous. Les gourous, voilà. Les gourous, les grands mouvements de pensée, mais aussi dans le domaine médical, des personnes qui prétendent « je vais t'aider à arrêter de fumer, j'ai un truc pour te guérir du cancer sans passer par la chimio. » Donc il y a toutes sortes de voleurs, c'est-à-dire des personnes qui vous promettent bons et merveilles, et puis en fait, ils dérobent, ils égorgent, ils détruisent. Ça peut être des charlatans. Alors, certains, ce sont des charlatans, d'autres, c'est un peu plus élaboré. Mais oui, c'est ce domaine-là. Mais quand Jésus est venu, il y avait toutes sortes de faux messies. Il y avait toutes sortes de faux prophètes. Mais en fait, celui qui est derrière, c'est le diable. Puisque Jésus l'a dénoncé. Oui. Il est menteur, voleur, meurtrier, dès le commencement. Donc tous ceux qui font ça, en le sachant ou sans le savoir, et souvent sans le savoir, accomplit sa volonté du diable. Dérober, égorger, détruire. Jésus, lui, est venu pour que les brebis, qui sont des brebis, bien ce sont ceux qui croient en lui. Tous les hommes et les femmes ne sont pas les brebis de Jésus. Il n'y a que ceux et celles qui croient en lui qui deviennent ses brebis. Et là, Jésus leur fait une promesse. Je suis venu. C'est le thème. Pourquoi Jésus est-il venu? C'est lui-même qui le dit. Je suis venu. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Donc Jésus ne va pas mettre dans un petit coin de notre vie actuelle la vie d'en haut. Mais la vie d'en haut va se saisir de nous. C'est pour ça qu'il dit en abondance. Donc par exemple, quand le stress m'assaille, bien, la vie de Jésus est plus abondante et il va dominer ce stress. Quand la crainte vient m'envahir, parce que la crainte, souvent, c'est un envahissement. J'arrive plus à penser, je n'arrive plus à penser correctement, ça va prendre une bonne décision parce que je suis tétanisé par la crainte. La vie de Jésus vient en abondance pour vaincre la crainte. C'est pour ça que Jésus parle d'abondance. Alors dans les voleurs, égorgeurs, destructeurs, certains ont tordu cette parole de Jésus
pour dire que Jésus voulait notre porte-monnaie en abondance. Jésus n'a pas dit qu'il remplirait notre porte-monnaie en abondance. Il a dit qu'il nous donne la vie en abondance. Et la vie, c'est l'amour, la vie, c'est la paix, la vie, c'est la joie, la vie, c'est la vérité, la vie, c'est la communion avec Dieu, la vie, c'est la communion avec son prochain. Voilà des exemples de choses que Jésus veut nous donner avec abondance. Il est venu pour ça. Et à nous de nous laisser saisir de cette vie, de la recevoir. Alors Jésus dit, par ailleurs, Jean chapitre 3, verset 16, le best-seller de l'Évangile. Oui. On va dire c'est le centre de la Bible. Pour certains, c'est le centre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, donc c'est bien le but, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors j'aime particulièrement ce verset. Quand j'étais étudiant, on devait faire des travaux dirigés en classe, et quand mon tour était arrivé, j'avais choisi ce verset. Et devant tous les autres étudiants à l'IUT, ben, j'avais détaillé, Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Bon, j'ai eu des réactions assez particulières. Certains avaient sorti une page de Charlie, où quelqu'un se noyait, puis Jésus passait dans le barque à côté, passait au large. Et même Jésus m'abandonne. Vous voyez que la foi n'est pas naturelle du tout. Mais Dieu veut nous donner la foi, puisque Jésus est venu pour que nous ne mourions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors certains qui m'écoutent là pourraient aussi faire une objection. Est-ce que les chrétiens ne meurent pas? Et en fait, dans les églises, on doit faire des enterrements, comme partout ailleurs. Donc la mort physique atteint les chrétiens comme les autres. Et c'est là que quand Jésus dit pour qu'elle ne meure pas, il ne parle pas de la mort physique par laquelle nous passons. Mais il parle de la mort spirituelle. C'est-à-dire que la mort physique ne va pas nous séparer de la communion avec Dieu. Et tout ce qui s'est noué entre nous et Dieu sur cette terre va demeurer au-delà de la mort. C'est ce qu'on appelle la résurrection. C'est ça que maintenant je vais lire des versets qui s'attachent à la résurrection. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus qui parle, et qui croit en celui qui m'a envoyé, Dieu le Père, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc pour Jésus, nous sommes des morts vivants. Tous les êtres humains qui sont actuellement sur terre, tant qu'ils n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Donc bien que nous soyons bien vivants, nous pouvons remuer nos membres, nous pouvons penser, réfléchir, nous pouvons faire des œuvres artistiques, nous pouvons faire des œuvres industrielles, nous pouvons écrire des textes, etc. Pourtant, par rapport à l'éternité, par rapport à Dieu, nous sommes morts. Nous sommes morts à la vie de Dieu. Nous avons une vie déconnectée de Dieu. Ce que Jésus fait, il nous reconnecte avec Dieu. Et il appelle ça passer de la mort à la vie. Et pour la question de la mort physique dont j'ai parlé tout à l'heure, Jean chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est une promesse que Jésus nous fait. La mort n'a pas le dernier mot. Alors là, j'ai une question là. Je le ressusciterai au dernier jour. Peux-tu nous en dire plus? Alors ça, ce serait l'objet d'une autre série d'émissions. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'étude des temps de la fin. Et peut-être on le fera. Mais le dernier jour, c'est le jour où Jésus reviendra, c'est le jour du jugement dernier. Et là, la parole de Dieu dit, en un instant, Jésus apparaîtra,
et tous les morts en Christ ressusciteront. C'est pour ça qu'une autre expression après que va utiliser la Bible pour la mort des chrétiens, c'est de dire ils dorment. Mmh. Ils font une longue sieste. Alors ceux qui sont morts au premier siècle, ça fait déjà 19 siècles qu'ils font leur sieste. Mais si Jésus revient dans notre temps, là, dans les années qui viennent, peut-être certains de ceux qui regardent cette vidéo ne passeront jamais par la mort physique. Mmh. Mais pour la majorité d'entre nous, nous y passerons. Et on sera comme plongé dans une sieste paisible. Mais au top départ que Jésus donnera, ce sera la résurrection générale. Je le ressusciterai au dernier jour. Et nous serons éternellement avec lui et avec son Père. Et Jésus donne une autre définition de la vie éternelle, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il est bien question de communion. Connaître Dieu le Père, connaître Dieu le Fils. Ce que Adam et Ève n'ont pas voulu dans le jardin d'Éden. Eh bien, Jésus nous le donne, c'est la vie éternelle. Alors maintenant, peut-être préciser quelque chose, c'est que Jésus ne nous donne pas sa vie pour booster notre vie actuelle, mais pour nous donner de vivre de sa vie. Jésus n'est ni le booster, ni la vitamine d'une vie qui n'est pas d'abord renouvelée à son contact. Et certains pourraient accepter, un peu comme si vous avez vu le film Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Vu. On cherche l'élixir de vie. Vu. On cherche la fameuse substance, la fameuse fiole qui va contenir le filtre de vie, voyez. Mais on reste ce qu'on est. Non, Jésus nous transforme. On a vu dans l'émission précédente, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je sais devoir faire. Jésus nous délivre du mal. Et si la vie éternelle, c'était de continuer avec nos défauts d'aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, parce qu'on serait prisonnier éternellement à supporter le mal. C'est pour ça que Jésus dit, il est passé de la mort à la vie. On passe de la mort, c'est-à-dire la puissance du mal qui nous conduit à la mort, à la vie, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu qui permet de vivre éternellement, sans nuire à personne. Donc il n'est pas question de nous booster dans notre propre puissance de vie, mais il est question au contraire de nous apprendre à renoncer à notre propre vie pour entrer dans la vie que Jésus nous donne. Et Jésus a dit une parole, pour conclure, c'est « Celui qui voudra conserver sa vie la perdra ». Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera dans l'éternité. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés et regardés. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.